Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à vous retourner à votre classe virtuelle avec moi, votre maîtresse Rizlen Louazani. La leçon d'aujourd'hui parlera des formules de politesse ou ce que l'on appelle les mots magiques. Mais juste avant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et n'oubliez pas de nous encourager plus en appuyant sur le petit pouce bleu. Merci. Donc, les compétences acquises à la fin de notre leçon seront savoir comment et quand utiliser quelques formules de politesse pour les enfants. Allons-y, on commence. Nous avons vu avant dans la leçon précédente que la matinée où on dit bonjour ou bien bonne journée commence de 6h du matin jusqu'à midi. Midi commence à 12h de l'après-midi jusqu'à 13h de l'après-midi. L'après-midi commence, on a dit, de 13h jusqu'à 18h. C'est là qu'on dit bonjour ou bien bon après-midi. À 6h du soir ou bien à 18h jusqu'à 23h ou bien 11h du soir, c'est là qu'on a le soir. C'est là qu'on dit bien sûr bonsoir ou bien bonne soirée. À 24h ou bien à 12h du soir, c'est là qu'on dit c'est minuit. Et bien sûr, on a dit de 11h du soir jusqu'à 6h du matin, c'est la nuit. C'est là qu'on va au lit pour dormir. On dit bien sûr bonne nuit. Nous avons aussi vu avant dans notre leçon de renforcement sur WhatsApp comment Élise passe sa journée de mercredi pour bien comprendre la notion des moments de la journée. Faisons un petit rappel en regardant la vidéo ensemble. Allons-y. Les moments de la journée. Comment Élise passe sa journée du mercredi? Le matin, de 6h à 12h, c'est là qu'on dit bonjour ou bien bonne journée. C'est Élise. Le réveil sonne à 7h du matin. Élise se lève un peu plus tard, mais elle se dirige directement à la salle de bain pour prendre sa douche. Elle se sèche les cheveux, elle se peigne, puis elle se brosse les dents. Après, elle prend son petit déjeuner, puis elle s'habille pour aller à l'école. Elle prend l'autobus. Elle arrive à l'école à 8h du matin. En classe, elle écoute bien les consignes de la maîtresse et elle prend ses notes. Midi, c'est là qu'on prend notre déjeuner. De 12h à 1h de l'après-midi, on dit bonjour et bonne journée. À midi, Élise sort de l'école, elle prend le chemin vers la maison, c'est là où elle mange ou bien elle prend son repas qu'on appelle le déjeuner. L'après-midi,
De 1h de l'après-midi à 6h du soir, c'est là qu'on dit bonjour ou bien bon après-midi. Après le repas de midi, elle passe toute l'après-midi à jouer dans le parc qui est devant sa maison. Le soir. De 6h du soir à 11h du soir, c'est là qu'on dit bonsoir et bonne soirée. Le soir, elle prépare le dîner avec ses parents. La nuit. De 11h du soir jusqu'à 6h du matin, c'est là qu'on dit bonsoir ou bien bonne nuit. Après avoir fini ses devoirs, elle dit bonne nuit à ses parents et elle part dans sa chambre. Elle passe une douce nuit. Mais vous allez me dire, maîtresse, mais à quoi servent les formules de politesse? Eh bien, les formules de politesse servent à, premièrement, indiquer que nous sommes bien éduqués et deuxièmement, à montrer que l'on respecte les autres. Pour bien comprendre la leçon, regardons ensemble une petite histoire. Allons-y. J'apprends les mots magiques. Ça, c'est Samy. Samy a 4 ans. Ça, c'est la maman de Samy. Souvent, Samy dit à sa maman, « J'ai soif. » Sa maman lui répond, « Et qu'est-ce qu'on dit, Samy ?» Mais Samy ne dit rien. Il n'a pas envie de dire quoi que ce soit. Sa maman n'est pas très contente. « Oh là là !» Elle lui dit, « Puisque tu ne dis rien, tu n'auras pas ton lait. » Eh oui, Samy, quand on demande quelque chose, il faut le demander avec les mots magiques. C'est quoi les mots magiques? C'est « s'il te plaît ». Vas-y, Samy. Maintenant, à toi de jouer. À boire, maman, s'il te plaît. Regarde, Samy. C'est magique. Maman est contente. Elle te donne ton lait. Ça, c'est la mamie de Samy. Viens voir Samy, c'est mamie. Mamie lui dit, bonjour mon petit Samy. Mais Samy ne dit rien. Il ne dit même pas bonjour à sa mamie. Mamie est un peu triste. Elle voulait l'emmener au zoo pour voir les animaux. Mais comme Samy ne dit rien, pas de zoo. Eh oui, Samy. Si tu veux, mamie, qu'elle t'emmène au zoo, il faut dire le mot magique. C'est quoi le mot magique? Quand mamie te dit bonjour, il faut aussi lui dire bonjour. Et voilà, Samy. Maintenant, tu connais le mot magique, à toi de jouer. Oui. Bonjour, mamie chérie. Bravo, Samy, regarde, c'est magique. Mamie est contente. Elle va t'emmener voir les lions au zoo. Allez, c'est parti! Voici le boulanger. Le boulanger aime bien Samy. Il lui dit, tiens, voilà un bonbon. La maman dit à Samy, et qu'est-ce qu'on dit, Samy? Samy ne dit rien du tout. Le boulanger n'est pas très content. La maman de Samy non plus. Oh là là! Elle dit, puisque tu ne dis rien, je te reprends le bonbon. Eh oui, Samy, si tu veux garder ton bonbon, il faut dire le mot magique. C'est quoi le mot magique? Eh bien, quand quelqu'un te donne quelque chose, il faut dire « Merci ». Voilà, Samy. Maintenant, à toi de jouer. Merci beaucoup, monsieur. Bravo, Samy. Regarde, c'est magique. Et voilà le boulanger, très content. La maman aussi. Elle lui redonne le bonbon. Génial! Ça, c'est la maîtresse. À l'école, Samy a fait des bêtises. Et il continue à rire en plus. La maîtresse n'est pas contente. Elle a dit,
Ce n'est pas poli, Samy. Eh oui, Samy. Pour que tu sois poli, il faut que tu dises à la maîtresse le mot magique. C'est quoi le mot magique? Eh bien, le mot magique est « pardon ». Voilà, Samy, tu connais le mot magique. À toi de jouer. Pardon, maîtresse. C'est bien, Samy. Regarde. C'est magique. La maîtresse est contente. Elle lui dit « c'est Samy qui va choisir l'histoire qu'on va lire ». Mais non, Samy, on fait pas comme ça. Il faut dire les mots magiques avant de partir. C'est quoi les mots magiques? Les mots magiques sont « au revoir ». Voilà, Samy, vas-y. Au revoir, à bientôt. Eh ben voilà, c'est magique. Notre leçon est désormais terminée. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez bien compris. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous laisse avec une petite chanson qui s'appelle « Les mots magiques ». Au revoir !